j'osais vraiment pas vous gâcher cette musique. Attendez, je vais trouver des paroles. Sentez-vous pas bien. Oui, alors j'essaye une chronique live, ça me montre, j'aime bien les trucs en une prise, quoi. C'est quand même vachement plus sincère que les For You Sauveur. Comment ça, j'ai la grosse voix? Oui, c'est le matin, c'est quoi? 22h49? Bah, je me suis levé il y a 4h. Oui, je me lève super tôt. Comment ça, c'est inversé les cycles? Ah, ok. On verra plus tard. Settings, on va voir si on a du French. On est dans quoi? On est dans Neko Ghost Jump. C'est un jeu de plateforme, apparemment. Et on va aller mettre un petit œil dans sa preview. Oui, en 0.8.8. Il sera peut-être bientôt en 1.0.0. On y va. Alors, on va prendre celui-là. Regardez-moi ce marron. Oui, alors c'est un jeu avec des chats. Il y a des chats de partout. Et du coup, c'est vachement bien. Qu'est-ce que quoi? Je dois être un peu con. Je sais pas ce que c'est censé exprimer, mais ça doit être bien. Hein? D'accord, je peux customiser mon marron. Ok, vous le sentez, l'enjaillement? Oui, il y en a pas. Qu'est-ce que c'est? D'accord, fallait appuyer sur B. Il y avait le truc qui était sous le logo The Big Game of Ski. Il n'y a rien de mieux que commencer par Raphaël. Attention, nous allons aller à Grassyland L1, puisqu'on ne peut pas aller directement à Grassyland L5 si vous observez bien l'aménagement de la map. Veuillez ne pas attacher aux ceintures, nous sommes partis. C'est un japonais qui a fait ça. Tous les boutons sont pas les boutons qu'on a l'habitude en Europe. Et du coup, c'est super hardcore, quoi. B, ça fait super peur, dites-le. Alors, Neko Baka, fais-moi pas honte. Oh, putain, je suis chronométré. Youp. Meow. 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 Ah, left trigger, j'ai oublié de lire. Bah, moi, j'étais focus sur mes mains. Ça va donner merde. Hein? Non, je suis très focus, hein, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Faut juste que j'essaye mon trigger. Ça marche pas du tout, hein. Ah mais c'est le left. Hop, oh, pardon madame. J'essaye mes commandes du coup. Ah ok, c'est mieux ça. Donc je peux faire un dash. Voilà la traduction. Après le faire au bon moment, ça c'est une option, hein. Je suis pas obligé. Moi je vais m'énerver. Dédé, qu'est-ce que tu fous là? T'es dans le quartier? Ah ça tombe bien. Bah et tu sais quoi? Si tu veux tu passes, je paye l'apéro. Ça marche toujours ça. Hein? T'es à l'angle de la rue, bah, arrive. Je crois qu'il y a Dédé qui va venir nous sauver. Ah, ça frappe. Infirmière, tu veux ouvrir? Merci. J'attends qu'il arrive. C'est lui? Oh oui, ça, je dis, dis. Oh oui, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous fais quoi? C'est quoi ça? Ah, ça, c'est un jeu avec des chats, parce que c'est, j'aime bien les chats. Il me résiste un poil. Putain merde, oh, putain de bite. Alors c'est pas un stream pour les enfants, il va y avoir plein de gros mots. Ah bah dis donc, si tu fais plus les streams pour les enfants, il fait beaucoup pour les vaches. Non, c'est juste pas, tiens, prends la manette. Bah attends, je te laisse finir ton truc là, parce que c'est n'importe quoi. Tu fais comme ça, petit saut, grand saut, c'est tout con putain. Hop, toc. Donne-moi ça. Bah, avec plaisir, tiens. Vas-y, prends, installe-toi. Mets-toi sur la chaise aussi, tu seras mieux. Voilà. Mais c'est quoi qui colle sur ta chaise? Non, mais joue. Alors, qu'est-ce que c'est, cette grosse fourche de queue? Bon, c'est... comment ça marche? Ça, c'est ça, et ça, c'est... ok. Et c'est où qu'on fait le truc? Tu fais la lessive, là. Là, c'est ça, la gâchette. Bah, tu vois, c'est pas du... c'est faire. Je vais l'attacher point. Et je jette l'encre. Alors, c'est qui le meilleur? C'est moi.
Ouais, bah, t'es meilleur, mais bon, t'es pas un dieu. Refile-moi la manette, je vais faire le tableau suivant. Ah bah non, c'est moi qui fais. Mais et oh, c'est moi qui présente l'émission. Et alors, c'est moi qui fais le tableau. Regarde, qu'est-ce qu'il demande. Eh bien, continuons, les amis. Rends-moi cette manette. Ça va être terrible. Reste là, Dédé. Ah, bah non, moi j'y vais. Tu m'as dit je pouvais prendre l'apéro. Elles sont où ces bouteilles? Oh, regardez-moi ce qu'ils ont développé. Alors, j'ai rien compris, mais c'est vachement réaliste. Ok. Donc, le jeu passe en 3D ou d'un moment, il fait bah, si, t'as voulu jouer à l'andouille? Et du coup, ça m'explique pas trop où je vais. Ah si, à moi, on peut changer l'angle de caméra. Non, pas trop. Alors, j'ai toujours mon dash, j'espère. Oh, c'est pas pour les vieux. Marcus, s'il montre ce jeu, il va jamais y arriver. Quoi. Bah oui, les vieux voient pas bien les profondeurs, hein, c'est bien connu. Comment ça, je suis un exemple flagrant? Allez vous faire foutre. Ah putain, faut repasser. Faut penser à repasser en 2D. Dédé. Il est parti où? Dédé. Ça fait une heure qu'il est dans la cuisine. Oula. Oula. Dommage, c'était pas loin ça. Où le tableau? Vraiment? Parce qu'on n'ira pas plus loin, les gars. Dieu, si, tout le tableau. Bon, j'ai passé le tableau en 3D. Et là, je pourrais le passer en volonté en 2D si je veux. Voilà. Donc là, je vais repasser en 2D. No 2D, il me dit. Oh, Dédé, il me dit no 2D, viens voir. Qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu? No 2D. It means that I need to. Interact with something. Elle me dit 2D. Peine, douleur et parmesan, tiens. J'ai un peu oublié de. Donc, du coup, faut vachement réfléchir parce que son tableau, quand on le connaît pas, on sait pas comment faut l'aborder. Donc, il va falloir gérer les passages 2D avec les passages 3D. Qui est assez tordu comme idée, mais bon, c'est jouable, donc je vais pas renier le truc. Nique ta mère. C'est le nom d'un ami que je voulais appeler. Infirmière, tu appelles Nick? Oui, le fameux ta mère. Non, je me suis recassé la gueule exactement au même endroit. Infirmière, tu peux voir ce qu'il fait, Dédé? Il sait quoi? Enfermé dans les chiottes. Avec quoi? Avec deux bouteilles, ok, bon. Je crois qu'on verra pas d'ici un moment quand même. Alors reprenons, essayons de ne pas se vautrer. Oh, j'arrive pas à monter, nique ta mère. Vraiment je l'appelle. Je vais essayer de pas me vautrer au même endroit. C'est crédible. Coco, tu es vraiment trop d'émotions pour des personnes de mon âge. Mais peut-être, pour les mômes, c'est pas mal. Parce que ça va leur travailler leur réflexe psychomoteur. Que les vieux ont perdu d'ailleurs. Je dénonce personne, mais. Regardez Chaos, par exemple. Pourquoi vous croyez qu'il fait du hacking? Parce qu'il peut plus jouer. C'est pour ça que j'ai monté un Tipeee. C'est pour acheter des prothèses bioniques à Chaos. Qui puisse à nouveau jouer. Ah, un bouton. Okay. Trop drôle. Attends, comment je change? C'est quoi? C'est un bonus? Elle me veut du love, cette fleur. J'ai fait. Elle a l'air méchante, quand même. Ouais, elle a l'air pas cool. On va se mettre là, on va réfléchir en 2D. Donc on revient à la Mario. Y plus RT, ça fait quoi? Attends. Je m'en sers. D'accord.
Ça fait quand même vachement beaucoup de boutons pour un jeu pour les mômes, sérieux les gars. Oui, je passe dans mon mode critique culinaire. Et vous êtes d'accord avec moi les gars quand même. Et alors je peux rester tant que je veux dans ce mode là moi. Et si je dois faire des commandes. Je sais plus que je dis. Y plus certain. D'accord, on retiendra hein. Comment je vais là-bas, je sais pas. Comment je lui pète la gueule à ce truc? Je vais me mettre en ça. Je peux sauter aussi. Je peux faire des dash. Quoi? Je suis passé là, c'est bon. Non. Je crois qu'il ne m'a pas vraiment compté. Il s'est rendu compte que je me foutais de sa gueule. Et je disais donc, ça fait beaucoup de commandes pour un minot quand même. Surtout qu'il faut revenir sur les gâchettes pour mettre des coups d'épée, de harpon, de... poisson harpon. Est-ce que c'est plus simple de côté ou de face? Je pose la question. Ça va être un jeu de merde. J'arriverai pas à la hauteur du truc en face. Je me suis gouré de cachettes. Ce jeu est trop choupi pour moi. Par contre, je veux la BO. Y aller comme ça. Mais faut que j'arrête de rappuyer sur X deux fois. Bourriné? Non, j'ai rien entendu. Voilà. What? What? Ah, ça passe comme ça maintenant, mais il y a encore les méchants fleurs. Bon, il faut pas que je me réveille, les gars. Clutch. Alors, je reviens à ce que je disais quand même. Qu'est-ce qu'elle veut, cette vache? Quoi, X2D, 2D, ok. Je tape sur les gueules. Ah, c'est une life en plus, une meuf. Alors je dois pouvoir rebondir sur... Ouais. J'ai super pas confiance. Ce jeu, on va être super pote. Non, je peux pas rebondir sur cet arbre, en fait, faut vraiment que je fasse le saut de la foi, il va me faire tout recommencer, cet enfoiré, c'est dégueulasse. Ouais, le changement, c'est nard. Et on évite de se planter, nard aussi, c'est pas mal, quoi. Lui, il veut que je fasse le saut de la foi. Hein. Ok. Ouais, les pièces, c'est un piège, je pense. Vous voyez? Je peux pas le tirer à distance, ce serait tellement plus cool. Ouais, je peux passer à côté, vous me direz, c'est plus simple. On va jouer ski. Mon dieu. Ah, faut que je revienne en 2D. Et que je retrouve ma forme peut-être. Toutes ces couleurs d'un coup. J'ai les yeux qui piquent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je... Pourquoi il m'a refoutu là? Oh, le modder spammer. J'ai pas compris la manip qui s'est mal passée. Je suis un chat, je suis mignon, mais qu'est-ce que je suis con. Ça va être le titre de ce stream, sérieux. Infirmière, pourquoi il ne rappelle pas Marcus? J'ai un bras de jeu pour lui. C'est répondeur? Bon, c'est pas grave. Marcus, faut absolument que tu essayes un jeu avant tout le monde. Il est trop pour toi, quoi. Comment il s'appelle? Attends, je vais te dire ça, je me bats là, justement. Neko Ghost Jump. Il faut vraiment, vraiment... On fout des pièces. Non, c'est pas à toi que je parle. Si tu veux me donner des pièces, fais... Moi, ça m'arrange. Faut vraiment que tu l'essayes, ce jeu. Il est terrible. Sa particularité? Il est d'une choupitude, d'une ergonomie. Tu m'en diras des nouvelles. La vache, c'était dans le jeu. Putain de merde. Ah, crac. Crac, la meme. Hop. On va faire un petit... faire un petit comme ça. Voilà. Et l'autre, on lui saccage la gueule. Bon, et maintenant, on évite de déconner.
Si, ça serait mérité, ce... Quoi? Non. Ah oui, je peux pas quand je suis en fantôme. Et du coup, il me remet au début du tableau pour voir si je vais me planter. Il faut tout que je repasse, mais en incarné. Comme les oncles. Ils sont clacardés. Désolé. Pas désolé. Oh putain, la boulettitude. C'est quoi ce SMS? Ah, c'est Marcus. Plus jamais tu m'appelles connard. Ah, oh, pardon. Je crois qu'il l'a mal pris. Enfin, voir après. Je vous dirai pas le nombre de C. Je préfère mieux. On va voir enfin le quatrième tableau. Et je pense que ça va être beaucoup plus simple. Cette chronique, si elle était diffusée en temps réel, elle ferait déjà 27 minutes. Je balance pas, mais. Vous avez une petite idée maintenant du truc. Et ça, bah ça passe pas. Enfin, comme ça. En fait, c'est un slow Mario. En repassant. Je sais pas si je vais arriver en face, les gars. Ah ouais, non, mais j'avais prévenu, les mecs m'écoutent pas, moi. Bon, on va passer par là, parce que ça a l'air de boring. Est-ce que je peux boringuer jusque là-bas, vous pensez? Moi, non. Mais bon, le jeu, il y croit, lui. C'est moche ça. Oui, je vais faire au plus simple hein, parce que je... Hop, c'est quoi ma... Ah oui, c'est ça. Ah mais ils s'en prennent à mon corps, c'est con. Et si mon corps crève, je crève, j'imagine. Alors là, il y a un passage où on doit réfléchir et c'est pas bon ça. Bah oui, vous me connaissez. What? Alors, il y a une histoire de passer 2D, 3D, et il y a une histoire de trucs qui n'apparaissent que... Est-ce que c'est ça? Alors moi, je suis gêné de pas pouvoir bouger la caméra tranquille. Je veux échapper au concept du jeu, en fait. Alors peut-être qu'en me mettant à un endroit, en changeant de vue, je peux... Vous voyez ce que je veux dire, non? Ok. Ce sera coupé au montage. Merde. Un enfant de 8 ans y arrive, je vous garantis. Moi non. Montage. On va se mettre un joli endroit pour l'oublier. Donc c'était la preview de Neko Ghost Jam. Moi j'ai vu Neko, j'ai trouvé ça tout joli. Mais en fait c'est une saloperie ce jeu, croyez-moi. Non, c'est un jeu qui m'en rend. Ça plaira aux gens qui ont envie de jouer à Mario en réfléchissant un petit peu plus que pour un simple jeu de plateforme. Maintenant, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Va falloir me convaincre encore, parce que c'est pas le, le cas. En fait, c'est des déprimés qui m'attaquent. Donc voilà, je vous laisse libre hein, d'interpréter. Ah oh, putain, bouge plus. On va s'en donner. Ah mais tu peux pas. Tu peux pas sauter là-haut non plus. Et là, il fait un 2D. Oh, oh, oh. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était sporty, montage. On le rajoutera là parce que j'ai été bon pour une fois. Nye. Il y a un coup. Ce stream de tous les suspense, franchement. Je peux pas taper dans les boîtes. Ok. Sûr. Mais si, plastique, ok. Il faut pas que je sois dans cette forme. Et du coup, me voilà bien. Pas tellement avancé, il est passé où le mur? Ah oui, c'est ça.
Du coup, il vous force à déconstruire la façon dont on fait le niveau. Et c'est assez space. Bon, de l'autre côté, j'ai quoi? Faut que je passe. Hop, je me mets dessous le 4. Donc j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Mais il y a un trou près. Si je me mets là. Alors, attends, il y a une fin. Faut sacrément réfléchir. Regardez pas le compteur de chrono, le temps. J'arrive pas à reculer là. Je n'arrive pas du tout. Ah, ça y est. Je vais appuyer sur B. Ah, ça donne quoi là? Nunu. Nunu. Il y a un truc que j'ai pas capté qui doit être évident, mais moi j'aimerais bien que ce soit la boîte en fait. Là c'est not possible les gars. Pardon, je m'excuse. Désolé, encore désolé. J'ai oublié ce que c'était pour vrai. Moi je veux qu'elle soit au-dessus de ça. Mais là les deux dons. Alors j'ai réussi à la mettre là, mais ça m'a servi à rien. Kevin. Infirmière, appelle Kevin, 8 ans. Je suis sûr qu'il va me trouver la réponse. Mais comment fais-je? Parce que je n'ai plus de temps et puing. Les amis, ça va être un abandon, une fois de plus. Donc si vous cherchiez, comme je tentais de dire tout à l'heure, un jeu de plateforme qui vous force à cogiter, je crois que vous allez être servi avec ce Neko Ghost Jump. Tellement bien son nom. Alors c'est une preview, hein. Il va y avoir des petites modifs d'ici la sortie, mais why not? Cool, la sortie. C'était un éjectage direct du jeu, on lui dit, t'es sûr? Tu veux pas revenir au menu principal avant? Ça il a pas demandé. Et... Pff, trop d'émotions. Playlist. Bouton d'abonnement.